Je savais que tu dirais rien. Tu comprends rien à ce que je ressens. Tellement conne. Paul. Tu sais, tu crois que j'ai pas remarqué que tu me suivais? Je crois que t'as remarqué, j'arrête pas de te bouffer des yeux. Ouais, je fais cet effet-là. Tu m'as remarqué il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, non? Ouais. Et t'arrives pas à m'oublier. Tu m'oublieras jamais. Arrête. Pourquoi? J'aime pas me regarder, je me trouve moche. C'est si joli. Écoute, je suis pas venue ici pour entendre ce genre de conneries. Vas-y, passe. T'as connu mon père, toi? Il était pas du tout du genre gâteux, il était plutôt du genre hyperactif, autoritaire et tout. Bah, il a commencé à me faire chier, mais tu peux pas savoir. Globalement, il m'a toujours fait chier. Hein. Les dragueurs, ils disent n'importe quoi. C'est ça qui fait rigoler. Mais c'est super dur de dire n'importe quoi. J'ai beaucoup d'admiration pour les dragueurs. Moi, je suis hyper ennuyé en plus, alors... Je te fais peur? Ouais. Moi, je détesterais mon père s'il me faisait un genre de truc. Ouais. Je le déteste déjà, en fait. Et pourquoi? Parce que c'est un gros con. Mmh. Il drague ma copine Angela. Je trouve ça dégueulasse. Tu préférais qu'il te drague toi? Trop pas, t'es con. Tu penses pas que ça change la donne que ta mère est jouie, par exemple? Ou que t'es conçu en missionnaire? Oui, papa, ça va, j'ai compris l'idée. Eh ben, tu vois, moi, je regarde les gens et je me demande comment ils ont été conçus. Ça me détend. Moi, je parle des choses qui sont belles, ok? Pourquoi est-ce que baiser, ce serait forcément moche? Parce qu'il y a des gens qui dénigrent l'amour, qui le rappellent sans un besoin, mais c'est pas un besoin, putain! C'est des mondes. Plein de mondes.